Dans cette vidéo, je reviens sur les mesures du gouvernement fédéral qui visent désormais à limiter l'accès au permis de travail pour des travailleurs à bas salaire. C'est une mesure qui vient dans la même lancée que l'interdiction ou alors le gel provisoire des permis de travail pour la zone de Montréal. Je voudrais apporter des précisions plus claires là-dessus. Alors, il s'agit concrètement de quoi? Je commence par le cas d'abord de Montréal pour dire que cette mesure-là ne vise pas tous les secteurs d'activité. Dans une autre vidéo, je te présenterai les secteurs d'activité à Montréal qui ne font pas partie. Alors, pour Montréal, il faut déjà savoir que ça concerne juste l'île de Montréal. Ça ne concerne pas les environs. C'est-à-dire, si c'est des employeurs ou des entreprises à Longueuil, à Laval, dans la zone environnante, ces employeurs-là ou ces entreprises installées dans ces lieux géographiques ne sont pas concernés par cette mesure. Cette mesure, donc, concerne essentiellement des personnes qui gagnent en dessous de 27,47 $. Donc, si tu gagnes, on va dire environ moins de 27,5 $, alors cette mesure te concerne. Ça te concerne en ce sens que jusqu'à dans les 6 prochains mois, et ce n'est pas exclu que ça se prolonge après réévaluation, donc dans les prochains 6 mois, ben tu ne pourras pas avoir un CAQ ou une étude de EIMT, voilà, pour un employeur qui, voilà, demande un emploi dans le cadre de l'île de Montréal lorsque ton salaire est en dessous de ce montant-là. Mais ça veut aussi dire que même si tu étais déjà, et ça c'est le plus délicat et de mon point de vue le plus sensible, c'est là où ça va vraiment, je crois que c'est même sur cet endroit-là que la mesure va frapper fort, mais c'est pour ceux qui sont déjà là, ceux qui sont déjà à Montréal dans le cadre d'un permis de travail et qui éventuellement s'attendaient à un renouvellement, eh bien le renouvellement ne sera pas possible. Si dans le cadre de ton travail, tu gagnais moins de 27,5 $ et que tu étais en situation de renouvellement, malgré la bonne volonté de ton employeur, tu ne pourras plus te voir renouveler. Le gouvernement fédéral a donc acté que pour tous ces contrats de travail à bas salaire, que ce soit au Québec, c'est-à-dire que ce soit à Montréal, dans les autres régions du Québec ou même en dehors du Québec, tous ces emplois à bas salaire là vont revenir à des quotas à peu près normaux d'avant pandémie. C'est-à-dire que dans un employeur ne pourra pas avoir plus que 10% de travailleurs étrangers temporaires au sein de son entreprise. Il y a des exceptions comme pour le domaine de la construction où ça va être maintenu autour de 20% parce qu'effectivement, la construction, c'est un secteur qui viendra justement aider à remettre les choses comme avant. C'est quoi remettre les choses comme avant? Si le secteur de la construction est dynamique et va vite et diligent, ça va faire en sorte que le problème de logement se résorbe et ça pourra donner une chance à ce qu'il y ait moins de rigidité, moins de rigueur, comme c'est le cas dans la plupart des procédures d'immigration en direction du Canada. Donc, c'est super important de savoir ça. De manière générale, ce qu'il faut retenir une fois encore, c'est que il ne faut pas s'investir et immigrer, chercher à immigrer avec un permis de travail dans des postes à bas salaire. Il y a plusieurs mois et au moins 2 ans que je n'arrêtais pas de dire, arrête d'acheter. Déjà, on n'achète pas un contrat pour travailler parce que tu vas gagner combien? Ce que tu as investi comme argent, tu gagnes combien? Le tout n'est pas de venir errer, voilà, et avoir aussi descendre de l'avion au Canada. Parce qu'après ça, la vie t'attend, les réalités de la vie t'attendent, tes défis personnels et même familiaux t'attendent. Donc, il est question aujourd'hui de réaliser que même ceux qui avaient pu décrocher un permis de travail et qui sont dans des emplois, beaucoup étaient allés en entretien ménager comme c'était à la mode à ce moment-là. Alors, pour tous ceux-là, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste tout simplement soit de vivre au Canada en clandestinité, ce que je te déconseille formellement. Alors, soit tu vas retourner dans ton pays et pratiquement recommencer à zéro. Et là, c'est bonjour la dépression, bonjour la frustration. Si tu n'as pas un accompagnement ou un état d'esprit de guerrier, ça va être très difficile. Et quand je sais les conditions dans lesquelles, pour beaucoup, vous êtes venus, ça ne donne pas, c'est pas beau à voir, c'est pas beau à imaginer et à supputer. Donc, vraiment,
ne cherche pas à venir au Canada à tout prix. C'est la principale raison. Ça, c'était une mesure qui n'existait pas et qui est venue après. Cherche pas à venir à tout prix. Rassure-toi que tu viens parce que tu viens dans un secteur qui va te garantir une certaine stabilité, que tu viens dans un secteur qui, avant même d'entrer dans l'avion, te donne une lisibilité sur ce que tu vas devenir après. Après, ici, je fais ceci, après, je fais comme ça pour m'installer définitivement. C'est super important. Il ne s'agit pas de tirer sur une ambulance, mais il s'agit de te rappeler que plusieurs fois ici, j'ai fait plusieurs vidéos de sensibilisation pour te dire que le tout n'était pas de venir. Il y en a qui me l'ont donné raison seulement après être venu à travers des échanges qu'on a eu en privé, mais il y a beaucoup d'autres qui essaient encore, malgré tout, de se frayer un chemin comme s'il fallait absolument venir s'installer dans l'Eldorado et que ça suffirait pour avoir le bonheur. Voilà des mesures, c'est normal. On peut pas reprocher à un gouvernement de prendre des mesures pour mieux servir sa population parce qu'ils sont élus par cette population-là pour vraiment faire des politiques qui visent à assurer le bien-être d'abord de ceux qui sont résidents ou citoyens. Donc, c'est tout à fait logique et normal de ce point de vue-là. Donc, regarde ça avant de te lancer dans une procédure. Rassure-toi que c'est la bonne pour toi. Rassure-toi que ton profil ici est. Sinon, permet qu'on te donne une lisibilité globale sur ce que tes aptitudes permettent de faire, qu'on valide même avec toi si ça vaut la peine d'immigrer au Canada. Parce que une fois encore, il y en a qui n'ont pas le profil d'immigrer au Canada, à moins que ce soit dans le cadre d'un parrainage, à moins que ce soit le cas d'une visite parce qu'on veut découvrir ce pays qui fait beaucoup parler. Mais dans l'absolu, il s'agit donc de s'assurer et de valider qu'est-ce qui est bien pour toi. C'est une mesure d'autres peuvent arriver. Heureusement, parmi ceux-là, il y en a qui étaient dans le secteur de l'agroalimentaire et qui vont, malgré que c'était des métiers à bas salaire, qui voilà, font partie de l'exception et tant mieux pour eux. Mais en règle générale, pour être beaucoup plus serein, que ce soit pour le permis de travail ou pour n'importe quelle autre procédure, c'est toujours bien d'aller viser vers les métiers dits qualifiés. Parce que quand tu vises les métiers, voilà, qui ne demandent pas une scolarité, ça va toujours, tu seras toujours en situation difficile. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces métiers-là sont réservés aux étudiants, que ce soit des étudiants internationaux, que ce soit même des étudiants résidents ou citoyens, parce qu'ils ont besoin du temps partiel pour se prendre en charge, que ce soit même pour les seniors, ceux qui sont à la retraite et qui reviennent sur le marché du travail. Ça, c'est des réalités, c'est des faits, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, lorsque tu viens occuper un poste à bas salaire, tu es en compétition avec ces gens-là et le choix est vite fait, à juste titre. Donc, là-dessus, tu ne peux que voilà, t'en prendre à toi-même. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que ça va te mettre suffisamment d'éléments qui vont t'aider à prendre, si ce n'était pas encore le cas, la bonne décision. C'est avec plaisir qu'on va continuer à t'accompagner. C'est avec le même plaisir qu'on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!